Ouais. Bon, allez, hop. Thank you.
Thank you.
Bonsoir à tous. Merci d'être là. On est évidemment ravis de vous voir si nombreux ce soir pour la sortie de ce projet qui tient à cœur. Le disque s'appelle African Flower. Je suis très heureux de vous présenter les musiciens qui jouent à mes côtés ce soir. Je vais commencer par celui qui m'accompagne depuis le plus longtemps. Monsieur Manuel Marchès, à la contrebasse. Il m'a fait remarquer que lui boutonnait son dernier bouton de chemise. Je suis très heureux de jouer avec Monsieur David Crépil à la batterie. Un super soliste. Super ami également, Monsieur Sylvain Montard. Bravo. On a commencé ce concert par un morceau de la première période du Duke Ellington. Le morceau s'intitule East St. Louis Toodle, ou. Donc c'est aussi difficile à prononcer qu'à écrire. Je ne pourrais pas vous donner la signification exacte de ce terme « toodle » ou. Le second morceau n'apparaît pas sur le disque. Donc, quand vous allez acheter le disque, si ce n'est déjà fait, vous ne le trouverez pas. C'est une petite vision comme ça, fugitive, d'un thème que vous connaissez bien certainement, qui s'appelle « In a Sentimental Mood ». Là, on vient de vous jouer un morceau d'inspiration orientale qui s'appelle « Isfahan », que vous pourrez retrouver comme premier titre de l'album. C'est un morceau que Duke Ellington a composé pour une suite qui s'appelle The Far East Suite. Ça a été inspiré lors d'un voyage au Moyen-Orient. Et donc, vous l'avez compris, le répertoire de ce soir sera pour une très très grande partie considéré à l'œuvre ellingtonienne. On va continuer avec un morceau qui s'appelle Warm Valley. Alors là, je peux vous dire un mot par rapport au titre, peut-être. On pourrait dire que c'est une vision qui est apparue à Duke sur une route lors d'une longue tournée. Il a vu, comment on pourrait dire ça, deux montagnes assez charnues. Et donc il en a composé un hymne à la femme. Voilà, il s'appelle Warm Valley. Le morceau, initialement, est une ballade. Et puis, évidemment, comme on ne fait rien comme il se doit, on a multiplié le tempo par 4. Voilà, évidemment. Warm Valley. Thank you.
Merci beaucoup. Je crois pas vous avoir annoncé ce morceau-là. C'est une... encore une composition de Duke Ellington et de son acolyte Billy Strayhorn, qui s'intitule Star-Crossed Lovers. Star-Crossed Lovers. En fait, on pourrait traduire ça par les amants maudits, en quelque sorte. C'est inspiré de l'histoire de Roméo et Juliette. Donc vous avez vu, dès que je sens que le niveau culturel du concert baisse un peu, j'en mets une couche, je sors Shakespeare et puis tout le monde. Ça va, vous êtes bien installés, je vois qu'il y a des gens qui sont debout au fond. Mais d'un autre côté, ils sont plus proches du bar. Ouais. Vous, par exemple, si vous avez soif, foutu, quoi. Vous êtes obligé. Je vous explique comment va se passer le concert. On va faire un premier set. On va prendre une pause après d'une heure et demie, deux heures, à peu près. Puis on va revenir... voilà. Et puis on reviendra pour un deuxième set. On espère vous voir heureux et nombreux, voilà, tout au long de la soirée. Le prochain morceau... parce qu'il y a un prochain morceau, s'appelle Come Sunday. Come Sunday, c'est un psaume, on pourrait dire ça, puisque ça peut être chanté, qui a été composé par Duke dans la... comment on pourrait dire ça ? Dans la suite Black, Brown and Beige, qui retrace un petit peu toute l'histoire du peuple noir américain. Et puis après, il a réutilisé cette composition-là, un petit peu plus tard, dans les concerts spirituels. Ce qui est assez intéressant chez Duke Ellington, c'est de voir à quel point, déjà, c'était un homme amoureux des femmes, ça je vous en ai parlé, mais de voir qu'il y avait une partie de lui aussi qui était très spirituelle, et il reconnaissait aisément que la Bible avait été une de ses sources d'inspiration. Donc vers la fin de sa vie, il s'est tourné vers la musique liturgique, et donc vous pouvez trouver des concerts spirituels qui sont joués à l'église, par Duke Ellington. Comme quoi, les conversions les plus tardives sont les plus belles. Come Sunday. Thank you.
Thank you.
Manuel Marchès. Manuel Marchès, à la caméra. Sylvain Montard. Merci, on va faire une petite pause. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Thank you.
Merci. Merci d'être resté. On a bien fait. Merci d'être resté. On est, je dois vous dire, je suis vraiment très 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 heureux de vous voir tous déjà, de voir une audience aussi fournie. Je suis très heureux de revoir des visages que je n'ai pas vus depuis un certain temps, voilà, qui viennent me témoigner aussi d'une amitié fidèle, voilà, qui m'est très précieuse. Je suis très heureux de voir des amis, des connaissances, de la famille. Et puis je suis très heureux aussi de voir des têtes que je ne connais pas. Bien sûr. Et voilà, je voudrais vous adresser un grand merci pour votre présence. Je veux dire non seulement beaucoup de choses pour moi, mais aussi beaucoup de choses pour la musique vivante, puisque vous vous déplacez. Voilà. Et donc, c'est cette contribution-là que je voudrais souligner. Merci de vous déplacer. Et de merci. Bravo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Merci. C'est bien, c'est bien. Bravo. Merci, merci beaucoup. Alors vous avez pu entendre juste à l'instant un thème qui s'appelle Drop Me Off in Harlem. Juste avant, on a fait une exception dans la soirée, puisqu'on n'a pas joué un thème de Duke Ellington, mais on a joué un thème de Vernon Duke. Vous avez vu la subtilité? Vous avez vu un petit peu? Deuxième set, hop! Toc! Un cran au-dessus. On est très heureux de réaccueillir parmi nous le grand Sylvain Gontard. Sylvain Gontard. Bravo! Duke Ellington est un homme d'une grande classe, un dandy. Pour vous donner un exemple de la classe de ce monsieur, il a écrit une suite pour la reine Elisabeth. The Second. Et il n'a fait tirer ce disque qu'à un seul exemplaire. Pressé, un seul exemplaire qu'il lui a offert. De ce disque est tirée la chanson que nous allons vous jouer. Enfin, ce n'est pas une chanson, c'est un thème musical. Qui s'appelle Single Petal of a Rose. Une seule ou un seul pétale de rose. Je ne sais jamais, qu'est-ce qu'on dit? Un seul. Parce qu'il y en avait d'autres dans la salle qui ne savaient pas. Okay. Je vais vous demander de vous mettre sur la droite. Donc on va terminer le concert et puis après on va boire des bières ensemble. Et toi, tu me dis pétale ou. The Single Petal of a Rose. Et nous allons jouer ce morceau dans un arrangement de monsieur David Grébille. Thank you.
On va vous quitter. Oh ce non. Dernier morceau, qui est évidemment un indicatif célèbre de Duke Ellington. Je n'aurai pas l'outrecuidance de vous donner le titre. Ouais. On a enchanté d'avoir passé cette soirée avec vous. J'espère vous retrouver très très vite. Et à très bientôt. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Ouais. We'll be right back.
Merci, merci beaucoup. Un petit mot pour différentes personnes qui ont contribué à ce que ce projet existe. Tout d'abord, il faut vous dire qu'il y a des hasards qui sont bienvenus dans la vie d'un artiste, notamment celui de faire un concert un jour, ce qui nous est arrivé à Montreuil, et d'avoir des gens qui viennent vous voir à la fin du concert, qui disent bah, « Nous, on aimerait bien produire un disque avec ce programme. » Donc ces personnes, ce sont les gens du label Pitch Productions. Donc merci Francis, merci Christian et merci Pierre. Bravo. Je voudrais remercier également Sylvie Durand qui a travaillé pour que la communication se fasse et que on soit devant une salle aussi nombreuse. Merci à elle, merci Sylvie. Je voudrais remercier aussi les gens de la salle. Merci Pierre, au son. Merci à tous. Vous avez bien bu, vous avez bien mangé. Okay. Merci beaucoup de l'invitation pour l'accueil. Enfin, je voudrais remercier évidemment mes chers compatriotes de musique pour le talent qu'ils ont amené à cette musique. Je voudrais remercier un absent qui n'est pas là, c'est Frédéric Couder aussi qui apparaît comme invité sur ce disque. Et voilà, j'aimerais vous dire à très très bientôt. Vous me manquez déjà, il me tarde de vous retrouver sur scène, sur ce projet ou sur un autre. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Merci. Et très belle année pleine de musique. Le dernier morceau s'appelle Black Beauty. Oh,